Eh ouais les amis, ça y est. Donc là on va tester le Sonic Quake de chez RC Pascal. Hein. Donc là j'ai fait un petit test vite fait. Donc avec des batteries qui sont pas adéquates. Mais là on va remettre ça d'aplomb et ça repart. Ah c'est clair. Parce que j'ai vu là les batteries qu'elle a les amis sont beaucoup trop lourds. Vas-y, monte-leur les batteries frérot. Regardez-moi ça. Deux blocs de 9000. Ah gars c'est des mamelles. Ah c'est des briques. Et ça se ressent à la navigation quoi. Et là frérot, qu'est-ce que tu mets comme batterie à la place du coup? Donc là les amis. Voilà, bloc de 3S, 7100. Donc un pack beaucoup plus léger. Ouais, ça commence. Flip. Ah ouais, bah t'as des batteries. Oh là 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 là. Ouais. Dans le mille.
Mes amis, je crois que... Ah, ok, il m'a fait mentir. Le petit flip qui passe crème dans la vidéo. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Le bateau il tient, il tient, il tient. Le mec, les amis, il est démonté. Ok. Là rien, ça va être coupé tout ça, bon. Juste tu me dis combien. Olé. Ah t'es bon hein. Là, comme vous voyez les amis, le lac il est retourné. Wouah! Là, je me suis encore fait avoir. Oui. 3-6. Bon les amis, hein, petite session. Navigation, vraiment, navigation musclée. Très musclée, très hard. Hein, donc là, avec les clapots qu'il y a, les conditions font que bah, le bateau, forcément, bah, là, il va sauter, il va se retourner. Ah, c'est clair. Après, il y a des réglages à faire, mais voilà, c'est un bateau loisir. Moi, je reste dans le loisir tranquille, on va voir comment ça bouge à l'intérieur. Hein. Monsieur Kofi, ne fuis pas la caméra, tu peux rester. Je vais pas gâcher la belle. Mais non, tu gâches rien, tu gâches rien. Là ça a dû fortement bouger à l'intérieur. Ah ouais, c'est sûr, avec les crashs et tout. Ça a bougé un peu. Donc allons voir si tout se passe bien. Bah rien n'a bougé, je suis assez étonné. Non, le cerveau, tout est à sa place. Bon, il y a je suis de la assez flotte, étonné. Comme donc d'habitude. Je sais que j'ai. Voilà, ah, j'ai une batterie qui est morte, les amis. Ah, parce qu'en fait, que je vous explique le problème de cette batterie là. Waouh, il m'a fait qu'elle est gonflée. En voilà fait, la différence. Celle-là, elle est toute neuve. Celle-là, elle a déjà un petit âge. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle est restée longtemps ne pas tourner. Donc ça ne m'étonne pas. Et je sentais que le bateau il forçait un peu. Ouh. Regardez, les amis. Elle a gonflé sale. Et dans c'est ces très... conditions-là. Donc faites attention à vous surtout avec ça. Donc là, c'est très très dangereux, hein, les amis. Voilà, là, on va la laisser là. Donc là, c'est une session sympa. Donc je sentais que le bateau forçait un peu, mais c'est dû à cause de la batterie. Hein. Je sentais très bien que elle n'était pas opérationnelle. Hein. Donc là, je vais. Vu que celle est toute neuve, hein,
Donc elle a dû un peu, ouais, elle est un peu tiède. Donc là, normalement, le bateau va plus fort que ça. Hein. C'est vraiment la batterie qui m'a mis en porte-à-faux. Mais sinon, le bateau, nickel. Bon petit comportement, il est un peu dedans. Donc là, comme vous avez vu les conditions, Loïc, il a souffert. Moi aussi, hein, j'ai subi, malgré qu'on a un caisson de retournement. Bon, les amis, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Big up!